Des fruits pleins, égorgés de soleil. Caché derrière les feuilles d'olivier, José Texera a le sourire cette année. Ces 4 hectares d'arbres fruitiers ont produit 2 fois plus d'olives. On a eu de la chance, il a plu en mai et en juin. Et il a fait quand même assez sec après, mais là on a eu quelques pluies, ce qui a permis quand même que les olives ont un peu gonflé. 2,4 tonnes de fruits l'an dernier, cette année ce sera entre 4 et 6 tonnes. 2 variétés, la Verdal de Carpentras et la Grossane. José Texera produit de l'huile d'olive fermentée, enfermée sous une bâche pendant une dizaine de jours à 24 degrés. Les olives sont transportées à la coopérative agricole La Balméenne à Baume de Venise. Lavés, broyés, malaxés, décantés, 7 kg d'olives sont nécessaires pour faire 1 litre d'huile. 900 producteurs du Vaucluse viennent ici chaque année. Bruno Teuilleur-Lacheur vient de livrer 2 tonnes d'olives. Avec les étés chauds et secs, sa production a mûri 2 fois plus vite. Ça, c'est une olive verte. Elle est tournante, elle commence à changer de couleur. Et ça, généralement, ça arrive plus tard. Ça commence à changer un petit peu le goût de l'huile. Mais voilà, ça, c'est une olive qui est en train de mûrir et qui donne des variétés de goût un peu différentes de celle-là qui est encore un petit peu jeune. Une petite récolte l'an dernier due aux fortes chaleurs et au manque d'eau. Les producteurs ont été aussi plus prévoyants cette saison. Cette année, on a la chance d'avoir une récolte qualitative. Malgré la vigilance de la mouche, on n'a pas eu trop d'impact. Les producteurs ont bien géré la situation, les traitements ont été faits. Et franchement, ils nous apportent une olive de parfaite qualité. 3000 tonnes d'olives vont être récoltées dans le Vaucluse cette année. C'est 50% de plus que l'an dernier.